comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle. Et qui dit jeudi, mais comme vous le savez, j'étais tout simplement sur Paris pour le concert des 80s. Vous aurez bientôt le vlog, je vais m'y atteler, vous inquiétez pas. Donc revenons à nos moutons, jeudi donc hier je n'étais pas là, mais c'est pas grave, l'épisode 6 de l'émission Kingdom saison 2 est sorti. Oui, je n'ai pas réagi à l'épisode 5 parce que c'était simplement une sorte d'atelier. Comme vous le savez, ce round 3 constitue tout simplement tous les groupes qui se mélangent entre membres et nous aurons tout simplement des performances vocaux et des performances dance. J'ai vu que pendant l'atelier il y a eu beaucoup de péripéties, n'est-ce pas? J'ai lu un petit résumé sur Soompi. Tout le monde voulait travailler avec Yolin, c'est compréhensible, n'est-ce pas? Mais Yolin a tout simplement choisi une des membres des Brave Girls. Comme elle dit, c'est une personne qui a le même âge qu'elle et ce sont des amis également de longue date. Si j'ai bien vu, Yolin, elle va participer à la compétition, mais pour les deux côtés, donc côté dance, côté chant. Pourquoi pas? Ça peut être bien. Après, Yolin est toujours dans la perfection et c'est une showman, donc on le comprend. Enfin, une showgirl plutôt que showman, ça veut rien dire ça. Donc on peut tout à fait comprendre. Donc vous l'avez compris, l'épisode 6, on va tout simplement voir les trois performances, mais catégories chant. Et sûrement que l'épisode 7, ce sera la continuité de ce round 3 et nous aurons les performances dance. De ce que j'ai bien compris, il y avait tout un truc avec le classement par rapport à quelles chansons ils allaient choisir, etc. Les Luna, comme ils étaient les dernières au round 1 parce qu'ils n'avaient pas pu participer à cause du Covid, etc. Enfin, c'était tout un charabia. Je n'allais pas vous le lire, sinon ça allait être un long pavé. Le but de la vidéo, c'est qu'on comprend de quoi ça va être à peu près et pas commencer à lire tout le pavé. Maintenant, si vous voulez aller voir les épisodes en traduction en français, il me semble que Vicky a pris la traduction. Il y a déjà l'épisode 1 qui est traduit et tous les autres, vous pouvez les trouver en anglais. Si vous n'êtes pas une quiche en anglais comme moi, ben ça ira quoi. Bon, parlons d'autre chose. C'est parti, je vais réagir tout simplement à la première performance chant de ce round 3. Cool. Alors, c'est qui? Ils ont fait des lightstick spécial Kingdom Junior. Oh, dommage que je comprends pas. C'est écrit en hangul, mais ça doit être tout mignon à mon avis. Je bois en même temps parce que je souffre. Oh, elle est trop belle! Yoli? Je pense qu'il voulait chanter une chanson des Ball 4. Hein. La membre des Brave Girls, Min Young, il me semble, et Yolin pour cette première performance. Oh, 가사가 너무 슬픈데?
Leurs deux voix se marient tellement bien. Alors cette première performance était très simple au niveau visuel, mais c'est pas grave, c'était pas ça le point culminant, c'était juste l'émotion que dégageaient les deux artistes sur scène. Tu vois déjà qu'ils sont dans un cadre très sombre, il y a juste toutes ces lumières parfois en quadrillage qui est juste magnifique comme effet visuel. Yoline qui est assise pratiquement toute la performance, vraiment décontractée, mais comme si elle n'était pas là, qu'elle était chez elle, qu'elle s'entraînait, mais qu'elle était vraiment là en train de chanter. Toute cette émotion qui était présente, c'était incroyable. La combinaison de leurs deux voix est juste magnifique. Elle est en symbiose vers la fin. L'émotion qui dégage aussi à travers leurs expressions faciales, mais également dans les vibratos de leur voix. Moi, j'ai envie de vous dire, je pense que vous l'avez vu. J'étais tout simplement émue. C'était une magnifique reprise, magnifique performance. Depuis le début de Kingdom, Queendom, c'était juste génial. Mais là, franchement, j'aime beaucoup le fait qu'on mélange vraiment les membres de différents groupes. Et quand tu as des tableaux comme ça, c'est super beau. Et c'est parti donc pour la deuxième performance. Maintenant, go go go! Je sais pas qui avec qui. Je vous préviens déjà. Ah, on voit déjà des trucs avant qui tournent. Oh! C'est beau. Wow. Oh, il y a déjà des membres de Vadaïs. Oui, j'ai envie de dire Vadaïs. Oh.
Le tableau est vraiment magnifique, ça fait très printanier, c'est très très joli. Ça va bien avec l'ambiance de la chanson de base. Je pense qu'il y a une des membres des Cooper, Cosmic Girl et Vavice, mais je suis pas sûre, hein, les gars, parce que parfois. Et comme c'est pas des groupes où je suis très 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 fan, j'aime bien leurs chansons, je reconnais pas spécialement leur visage et je connais pas spécialement leur nom. Hein. Alors pour cette deuxième performance, c'était une émotion différente, certes, mais elle était là. Il y avait vraiment ce tableau qui était vraiment très très joli avec ces fleurs de cerisier comme si c'était eux-mêmes l'éclosion en fait, vraiment ce côté très solaire, très printanier, que ce soit même sur leurs pieds à micro, sur leur tenue. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup apprécié tous ces détails. Après oui, ils ont de très très belles voix, c'est une combinaison, un trio qui fonctionne bien, mais j'ai quand même préféré pour le moment la première performance chant, juste peut-être par l'émotion que ça dégageait. Le tableau était certes très simple, mais l'émotion était au rendez-vous, donc pour le moment je préfère quand même la première performance. Après, c'est parti pour la troisième et dernière partie donc c'est parti maintenant pour la dernière performance chant, unité chant. Maintenant, go, go, go. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 6. Il y a des petits papillons. Oh. C'est pas une chanson des EXO. Waouh, leurs make-up sont super beaux. Elles sont toutes mimi. Thank you.
Mais tous ces petits papillons. On dirait une petite poupée. Oh, ils sont trop cute. Oh. Ils sont trop touchantes. Alors, que dire sur cette dernière performance de la première partie du round 3, unité chant. J'ai vraiment bien aimé cette reprise d'une des chansons phares des EXO. L'émotion était au rendez-vous. Ce que j'aime bien encore une fois, c'est que tu vois vraiment leur voix individuellement parlant que quand ils sont dans leur groupe respectif. Ils ont vraiment une belle harmonie entre elles. Leur tenue était sublime, également leur make-up. Ça avait l'air d'être toutes des petites poupées qui ont envie de faire un gros câlin. La mise en scène était assez simple, c'était juste des papillons, mais vraiment de très belles high notes bien posées comme il fallait. Mais je pense que c'est sans appel, même si j'ai adoré visionner ces trois performances. Je pense que mon classement, en tout cas pour la première partie de ce round 3, on verra bien pour la semaine prochaine. Mais là, pour l'unité chant, vraiment la première performance que j'ai le plus appréciée, je dirais que c'est la première, puis je dirais la dernière et ensuite la deuxième. Voilà, après c'est un classement vraiment purement subjectif, c'est juste mon propre ressenti, mon propre opinion. Peut-être que vous avez tout à fait un autre classement, mais n'hésitez pas également à me le dire en commentaire si vous avez préféré une performance plus qu'une autre. Mais en tout cas, il y avait certes des émotions diverses dans les trois performances, mais celle qui m'a vraiment le plus touchée, c'est Yeolin et une des membres des Brave Girls. Je pense que c'est mignon, quelque chose comme ça. J'ai une de mes paillettes qui s'est barrée. Ben, c'est pas grave, hein.
Donc voilà, franchement j'ai hâte de voir la deuxième partie de ce round 3, vraiment cette partie dance, qu'est-ce que ça va donner. En tout cas le premier round c'était juste un régal, cette partie unité chant, surtout pour les oreilles. Hâte de voir la semaine prochaine, plus dance, badass et visuel. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les trois performances, quel est vous votre classement. Je vous retrouve à très vite pour jeudi prochain pour la suite de ce round 3. Donc ce sera l'unité danse pour cet épisode 7. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, mais également ma personne. Sur ce, je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos reaction. Et en attendant, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Sur ce, au revoir, bye bye, sayonara.